Et salut tout le monde, c'est Briou, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, ça me fait trop plaisir de vous retrouver pour ce vlog, car aujourd'hui, on va aller à la Paris Games Week. Je pense que vous devez évidemment connaître cette convention, j'ai même pas besoin de vous dire ce que c'est. Mais le truc qui est spécial, c'est que cette année, en 2022, eh bien du coup, c'est le retour de cette convention, car à cause du Covid, depuis 2019, il n'y avait pas eu cette convention. Donc là, ça fait vraiment plaisir, enfin, que ce soit le retour de la Paris Games Week. Parce que je me rappelle, en 2019, j'avais vraiment aimé, j'avais hâte d'y retourner et tout, sauf que bon, bah, du coup, après, en 2020, bah, il n'y a pas eu 2021 non plus. Donc, et bah, c'est parti, let's go, je vous emmène avec moi, bon visionnage. C'est parti, on y va tout de suite. Comme vous pouvez le voir, franchement, c'était super bien organisé. On est rentré vraiment rapidement. Là, on est déjà à l'intérieur du salon. Dès qu'on rentre, il y a directement le stand Nintendo. Alors je trouve ça un peu dommage parce qu'en fait cette année c'était seulement sur un seul hall alors que les précédentes années eh bien c'était sur trois halls. Donc malheureusement cette année c'était beaucoup plus petit que les autres fois, là vous pouvez voir le plan. Cette année il n'y avait pas le stand Coca-Cola qui distribuait des boissons gratuitement, donc c'est la première fois que je vois pas ce stand alors que toutes les années il était là. Il n'y avait pas non plus le fameux hashtag PGW, je vous mets une image à l'écran, mais en fait en gros c'était un petit décor qu'on pouvait se prendre en photo avec, et là c'est la première fois que je le vois pas. Cette année, c'était vraiment différent des autres fois. Je pense que c'est peut-être parce qu'ils ont voulu faire un test, parce qu'après autant de temps d'absence. Mais en tout cas, j'espère que l'année prochaine, eh bien, ils vont remettre comme c'était avant ou faire un truc mieux. En tout cas, évidemment, c'était quand même hyper cool, j'ai passé une super journée, je vous laisse voir les images évidemment, mais c'est juste qu'ils nous ont habitués à mieux avec les éditions précédentes. On a fait assez rapidement le tour du salon, et si ça aurait été plus grand, et ben, j'y serais peut-être même retourné un autre jour.
Bon, et bien voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Comme d'habitude, le petit like fait plaisir. On se dit à très bientôt, portez-vous bien. Ciao, peace.